Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis bonsoir, bonjour, bon, peu importe, de là où vous êtes, voilà. Vous avez vu le clip vidéo, vous savez automatiquement de qui il s'agit. Il s'agit de la très belle. La très belle Rocky Gold, qui chante merveilleusement bien, qui sait utiliser sa voix, qui sait vraiment pénétrer dans le cœur avec sa voix. Rocky Gold. Yeah. On dit quoi? Je vais bien, comment tu vas? Non, mais tu es 10 fois plus belle en vrai. Hein? Ah, oui. C'est trop pata. Hein? Merci beaucoup. Alors, comment ça va? Je vais bien. Ça va super bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Je suis en pleine forme. Voilà. Et les mouvements, ça se passe bien? Oui, on est dedans. On est dedans. Là, je viens de sortir mon tour nouveau, mm-hmm. Il y a quelques mois. Le clip est sorti il y a 2 jours. D'accord. Donc, ça se comporte bien sur les réseaux sociaux. Toujours Dieu merci, Dieu merci. Alors Rocky, dis-moi, beaucoup de personnes savent qui est Rocky Gold, mais les gens ne savent pas qui est Rocky Gold en réalité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les gens, bah, beaucoup de gens qui ne connaissent pas ta genèse, qui ne savent pas un peu comment est-ce que tu as commencé, comment est-ce que tu es arrivé dans le milieu et tout ça. Au début, les gens te prenaient pour une Nigériane parce que tu chantais un son en anglais et tout ça. On dit, mais c'est la casse qui est bien faite dans notre pays encore. Tu vois, aujourd'hui, on constate encore que tu es ivoirienne, bon, on ne sait plus qu'il y a quoi. Donc, c'est quoi le truc en fait? Comment est-ce que tu as commencé? Comment est-ce que tu es arrivé à la musique? Tout a commencé en 2015, après le featuring de Shipper Conti. Voilà. Au début. Mais comment est-ce que le featuring s'est arrivé? Comment il t'a rencontré? Ou comment est-ce que voilà, vous avez, comment est-ce que le contact s'est fait? Il m'a rencontré par le biais d'un arrangeur qui est très connu, Kudo Atanas. D'accord. Voilà. J'étais à l'école en terminale, tu as commencé même en terminale, quand j'étais en terminale. De l'école, je faisais un saut au studio pour faire des chœurs et tout. Mm-hmm. Maintenant, quand j'ai dit à mes parents que je voulais tout arrêter, bon, ils ont pris ça mal. Mais bon, ils se sont dit, bon, on verra ce qu'elle va faire, on verra ce que ça va donner. Mm-hmm. Donc, c'est là que j'ai commencé. Un peu, je faisais des chœurs, j'ai fait des featuring même avant le featuring de, ah bon? De Shipper. J'ai fait un featuring avec Marcelin ou quoi. D'accord. Oui, ça j'ai vu ça. T'en suis, je sais pas si tu as vu comment j'étais dans la vidéo. Ah ouais, en tout cas. J'ai dit, mais elle était gawaz, hein. Tu as raison. Donc, avec Marcelin ou quoi, et avec un artiste bien reconnu de la Guinée, Kundo. Fondo ou Aka, je ne me rappelle plus trop. Mm-hmm. Donc je faisais les chœurs. Mm-hmm. C'est par là que Kudo Atanas m'a rencontré et il a aimé ma petite touche nigériane qui m'a fait rencontrer Shipper Conti et la colle de prod. Tu as ajouté ta petite touche nigériane et tout parce que tu as les origines nigériennes, c'est ça? Tu as un côté nigérian? Nigériane d'origine, 100%. Ah bon? De père et de mère. Ah bon? Et j'ai grandi ici, donc du coup, je n'ai rien. Donc tu es une aloupe, c'est ça? Si tu veux. Non, c'est un calo, mais c'est, bon, ça c'est pas important, c'est juste pour te chahuter. Mais tu es né ici en fait, c'est ça? Non, je suis pas né ici. Je suis pas né non plus là-bas, je suis né au Togo. D'accord, tu es né au Togo, d'accord. Et tu es arrivé en Côte d'Ivoire Je me rappelle plus, hein. Tu étais petite en fait. J'étais très petite. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, parce que je me demandais, mais tu es né au Togo? Bon, tu es en Côte d'Ivoire, bon, tu n'as même pas l'accent togolais, tu n'as pas l'accent nigérien, bon, comment ça se fait? Oh, c'est parce que tu es là il y a non, très longtemps. Non, j'ai l'accent nigérien, c'est dans nos veines. J'ai l'accent. Non, je veux dire, quand tu parles le français, on ne peut pas savoir en fait. Bon, c'est normal. J'ai fréquenté ici, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici, voilà. D'accord, c'est super. Alors, après ça, après le featuring avec Shipper et tout, comment est-ce que les choses maintenant ont vraiment démarré pour toi? C'est toujours en 2015 quand on a fini de réaliser la vidéo que le général Colbert m'a dit ma petite, tu chantes très bien, je veux bien travailler avec toi, mais attends dans 6 mois. Imagine dans les 6 mois, c'était la galère totale. Je rêvais même et tout. Attends, ce monsieur-là, il m'a oublié ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je l'appelais de temps en temps. Mais c'est quelqu'un qui, vraiment, il est... C'est un ange, quoi. Parce que
Il est vrai qu'il n'avait pas encore commencé à travailler, mais il m'appelait pour m'encourager. Allô, je t'ai pas oublié, d'accord, tu as besoin de quelque chose, je t'envoie. Bon, jusqu'à ce qu'un jour, il m'appelle, allô, Rocky. Il est l'heure. Mm-hmm. Il est l'heure. Tu passes au studio pour un essai. Je suis allé au studio, c'est là qu'on a fait. Il y a quoi dans Jalousie? Il y a quoi dans Jalousie? Avec le père, Saint-Jean. Mais ça, c'était pas. D'accord. Avec le père, c'était Il n'y a rien dans Jalousie. Ah, d'accord, c'était différent, c'est vrai. C'est la réponse de Il y a quoi dans Jalousie? D'accord. Donc, c'est là tout a vraiment commencé avec le général. D'accord, super. Donc après, Il y a quoi dans Jalousie? Tu as fait Il n'y a rien dans Jalousie? Avec. Gadi Sely. Avec le King, avec le père, le papa Gadi Sely que je salue au passage, quelqu'un qui a beaucoup fait pour moi dans ma vie. Papa Gadi Sely, je te salue avec tout le respect. J'espère que tu vas bien là où tu te trouves. Voilà. Tes enfants te saluent. Voilà. Bien sûr qu'il va bien. Ouais. Alors, et après ça, comment est-ce que les choses ont vraiment, vraiment décollé? Parce que je crois qu'après, il n'y a rien en Jalousie, on t'a connu, puis bon, tu as commencé à enchaîner les titres et tout. Donc, mm-hmm. comment est-ce que ça a bien. À quel moment tu as senti que Rocky Gold commençait à se faire connaître? Avec le titre Il n'y a rien en Jalousie et avec Papa Gadi Sely, ça m'avait un peu relevé, mm-hmm. je veux dire. Révélé en fait. Révélé au mm-hmm. niveau de. Ici en Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'a véritablement. Révélé, c'est il y a quoi dans Jalousie, parce que ce titre a fait un boom. Mm-hmm. Et je ne croyais pas en ce titre avant. Le titre Cola dans Sauce, c'est ça. Là, mm-hmm. Je ne croyais pas en ce titre. Mm-hmm. Comme mon producteur m'a dit, Rocky, faisons sortir Cola. Je dis non, il y a un autre titre là que je sens beaucoup, qui est bien dansant là. J'avais mis une petite touche Naija, mm-hmm. c'était bien dansant. Il m'a dit non, faisons sortir Cola. On a discuté jusqu'à. Il dit ok, fais ce que tu veux. Fais sortir ce que tu veux. Donc c'est là qu'il a sorti Cola. Et Cola, vraiment, c'est un titre, ça a été mon titre phare maintenant. Mmh. D'accord. Mais avant ça, tu avais sorti un titre avec Serge Beno. Oui, qui était Je fais ma star. Je fais ma star. Oui. Ça aussi, ça a quand même bougé aussi. Non, hein. pas comme Cola dans Sauce. Oui, non, Cola dans Sauce, on pensait tout ce que ça. Et Je fais ma star n'a pas aussi bougé que. Il y a un dans Jalousie, parce qu'aujourd'hui, il y a un dans Jalousie fait 1 million de vues sur YouTube. Donc, tu veux dire quoi que, tu veux dire que... Là, même, j'ai commencé à manger. Ouais. J'ai commencé à daba. Ouais. Donc, tu veux dire quoi que le featuring guy Serge Beno n'a pas été bénéfique pour toi, c'est ça? J'ai pas dit ça. Ouais, mais moi, je pose la question. Non. Bon. Tu dis, wow, ça n'a pas trop marché parce que bon, l'autre c'est 1 million de vues. Bon, voilà. Cola dans Sauce, ça devait dépasser de 2 millions peut-être. Voilà. Je vois, mais ça va. Mm. Tu as dit quoi que Beno, il t'a rien apporté, c'est ça? J'ai pas dit ça, hein? Non. Mais il faut répondre, Pas du tout. C'était une expérience de travailler avec Beno, mm-hmm. parce que déjà Beno, il est international. Beno, quand on dit le grand Beno, mm-hmm. se réfère à le. La grande star de la Côte d'Ivoire, mm-hmm, pardon, tu vois. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses aussi. Mm-hmm. Donc j'ai pas dit que ça m'a pas apporté quelque chose, vraiment me lapider. D'accord, super. Mais Cola dans Sauce là, c'est la façon dont tu as chanté ça, c'est comme si tu parlais de toi-même, quoi, tu vois. Pas du tout. C'est ta propre expérience. Nous on a appris que c'était ta propre expérience en fait. Qu'il y a un mec avec qui tu étais, la relation a trop duré, tu n'as rien vu de bon dedans. Donc si. Ça t'a énervé, ça t'a inspiré. Est-ce que nous on a appris? Ah ouais. Oui. Vous avez des docs, hein? Ah mais c'est comme ça. C'est Abidjan, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a les docs. C'est fou tout ça. Mm-hmm. C'est fou. Cola dans Sauce, c'est pas une histoire avec eux. Je l'ai même composé au studio, tu vois. Quand je t'ai dit au début, j'ai pas senti le morceau, parce que c'est pas mon vécu. Ça a été comme une improvisation. Improvisation au studio, on a travaillé ensemble et c'est pas une histoire vécue. C'est pas du tout une histoire vécue. Mais par contre, gros cœur de femme. Ça, on va en parler. Gros cœur, tout le monde a gros cœur, tu vois. Mm-hmm. Les hommes ont gros cœur, mais surtout moi j'ai gros cœur. C'est bien gros comme ça. Ah bon? Ah. C'est vous qui donnez les gourmets aux gens dans ce pays.
Ça, vous avez un trop gros cœur. Hein? Un truc qu'on peut régler en une journée, en une semaine, entraînement, pardon, ça finit pas. D'accord. D'accord. Donc Cola dans ça, c'est pas une expérience personnelle. Non, ça a été une inspiration comme ça au studio et tout. D'accord. Mais dis-moi, comment est-ce que, parce qu'à partir de Cola dans ça, parce que moi je te suis, je vois un peu ton évolution et tout. Mm-hmm. J'ai constaté qu'à partir de Cola dans ça, tu as commencé à avoir des tournées, tu as commencé à bouger un peu partout et tout. Pour quelqu'un qui était dans la galère, avant de, quand je dis la galère, non, je viens. Elle veut déjà me frapper. Pour quelqu'un qui déjà au début, avant même de lancer sa carrière, c'était un peu difficile. Voilà, comme toi-même tu as dit, c'était un peu chaud et tout ça. Et à partir de Cola dans Source, tu as commencé à être sollicité, tu as commencé à bouger. Ouais. Voilà, comment est-ce que tu as vécu ça? Personnellement, comment est-ce que tu as vécu cette joie? Allô, Rocky, bon, tout à l'heure là, bon, on est quand mercredi, il faut savoir que le week-end tu es occupé, tu viens chanter, mais le week-end prochain encore tu vas chanter, l'autre week-end encore tu vas chanter, tu vois, ça change un peu, tu es occupé, bon l'argent aussi ça rentre. Ouais, bien sûr. Hein. Bon, avant ce titre là, je me rappelle, quelqu'un m'avait frustré. Ah bon? Oui. Qui a osé frustrer Rocky Gold? Qui a osé frustrer ma Rocky Gold? Mais arrêtez ça! C'est qui t'a frustré? Dis son nom, allez, pas dire son nom. Je ne peux pas dire son nom. C'est quelqu'un qui est très âgé. Très âgé, c'est mon aîné, donc je préfère taire son nom. D'accord. Cette personne-là m'a tellement frustré que j'ai voulu même tout arrêter. Tu vois. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je fais de la musique? Ça aussi, on va en parler parce que j'ai appris un truc de ce genre aussi. Quand est-ce que ça va réellement marcher? Quand est-ce qu'on va parler de moi? On va me solliciter pour des spectacles, je vais voyager partout et tout. Mais quand c'est arrivé, vraiment, c'est dur quoi. Parce que même à la maison, tout a changé avec ma famille, il y a le respect et tout, au quartier. Et je voyageais beaucoup, j'avais de l'argent, vraiment. Tu sautais beaucoup à la télé et tout ça. Tu sautais beaucoup à la télévision. Tu deviens la star du quartier. Oui, la star, la grande star, quoi, tu vois. Mm-hmm. Donc, mais j'avais toujours la tête sur les épaules. Mm-hmm. Et je suis entourée de ma famille aussi qui me quand je veux monter un peu, qui me dit ok, va à la terre, redescends un peu, tu t'aimes. Et vraiment, 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 je suis très, très heureuse. J'ai été très très émue et j'ai su gérer. Mm-hmm. J'ai su gérer ma Stavania. Parce que le meilleur est à venir. Hein. Ça sera encore plus grave. Oui. Et après, quand Gros Cœur est venu, ça a ajouté. Vraiment, c'était le off quoi. Parce que j'ai beaucoup voyagé. Vraiment. Et ce monsieur-là qui m'avait frustré, ne pouvait pas me regarder. Le gars m'avait dit que toi tu n'as rien, on te connaît même pas, même si on te laisse, même ma courir là, même personne ne te reconnaîtra. Il a été méchant. Personne ne te reconnaîtra, il a dit ok, c'est pas grave. J'ai fermé ma bouche, je suis allée devant lui. Et deux semaines après, mais attends, lui-même il avait dit, j'étais allée prester à Simi là, quand ils ont dit Rocky Gold est dans la place. Mais tu vois ce monde-là qui crie qu'on a dans ça. Le gars, j'ai vu le gars, il travaille avec moi. Il était là dans la foule, il me regardait. Il me dit, tout ça, c'est Dieu. Quoi. Je suis géré, Dieu merci. Et je remercie aussi mes parents qui sont toujours là pour moi. Voilà. D'accord, mais c'est bien que tu aies énuméré cela parce que moi j'ai appris, c'est moi j'apprends toujours, je suis comme ça, voilà, j'apprends toujours les docs sur les gens. J'ai appris que tu étais vraiment, arrivé un moment, tu étais vraiment désespéré parce que tu te disais, bon, est-ce que moi je suis fait pour la musique? Est-ce que c'est pas un rêve utopique? C'est-à-dire, est-ce que vraiment moi, Rocky Gold, est-ce que je vais devenir quelqu'un dans ce milieu-là? Moi, j'ai appris ça, c'est vrai? J'ai appris ça? Oui. Non, j'ai appris. De soucis! Sûr! Très, très sûr, même! Bon.
sur ça, je vais encore remercier mon producteur qui a toujours cru en moi. Même quand ça n'allait pas du tout, il était là. Il était là pour me consoler. Rocky, t'inquiète, ça va prendre. Tu verras quand ça va prendre. Tu verras que quand tu vas monter sur scène, les gens vont crier et tout. J'ai dit bon, j'espère. Parce que vraiment, en ce moment, je croyais rien du tout. J'ai dit mais attends, où tu es Dieu? Regarde-moi. Je voulais vraiment que mon travail avance, tu vois. Mon travail avance, qu'on me connaisse, même ici, seulement ici en Côte d'Ivoire d'abord. Oui, bien sûr. Pour me sortir et tout. Et je remercie mon staff qui n'ont jamais baissé les bras, qui ont toujours travaillé pour moi et surtout mon producteur, Général Colbert. Merci beaucoup. Salut, le corps Général Colbert au passage, c'est la famille. En tout cas, on est ensemble. Alors, Rocky, dis-moi. Aujourd'hui, quand tu as sorti après Colère dans Sauce, tu as sorti Gros Cœur. Ouais. Voilà, tu as sorti Gros Cœur. Beaucoup de femmes se sont senties concernées. Même moi-même. Voilà. Même toi, tu t'es senti concernée. Là, tu t'es inspiré de toi en fait pour faire la chanson. C'est ça. Donc il y a quelqu'un que tu as fatigué. Mais que toi-même, tu t'es senti obligé d'aller dire, bon chéri, reviens, je suis plus fâché. Non, c'est ça, pas non? Forcément quelqu'un, tu vois. Tu vois, Gros Cœur, avoir Gros Cœur, c'est pas seulement en relation. Même dans même dans ton travail, pour un rien, tu peux te fâcher et dire non, à partir d'aujourd'hui, je ne travaille plus avec vous. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie de. Tu vois, tout ça, vraiment, c'est. Après, quand tu fais, tu regrettes. Tu regrettes après. Tu vois, tu te dis non, pourquoi j'ai fait ça. Ah, j'aurais dû contenir ma colère et tout ça. Donc, ce n'est pas seulement dans les relations. Les relations amoureuses, relations humaines aussi et tout. Donc ce titre là m'a beaucoup parlé, tu vois. Au début je me voyais pas dans la chanson, mais après quand c'est sorti et que j'ai eu des différends avec la maison de production, c'est là que j'ai dit mais attends Gros Cœur de femme là, je suis allée écouter. J'ai dit, attends, mais ça parle, ça c'est. Là, c'était ça un truc, tu t'es dit, mais ça, c'était prémonitoire ou quoi? J'ai dit, mais ça. Attends, hein? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais après, j'ai regretté, là, tu vois. Aujourd'hui, tu t'es rentré en ordre. Mais pourquoi? C'est le succès qui t'est monté à la tête. C'est pas le succès. Ok, dès la fin, tu as commencé. Toi-même, tu reconnais que ton producteur, il est prêt pour toi. Et après, tu vas faire palabre encore. Ce palabre, c'était pourquoi? J'ai dit, j'ai gros cœur. Est-ce qu'au moment où tu cherchais le succès là, toi tu pouvais t'arrêter devant lui pour parler? Ben, c'est ça les artistes. Au moment où tu cherchais le succès là, est-ce que tu pouvais faire Gros Cœur? Tu peux pas faire Gros Cœur comme on est en Côte d'Ivoire, quand on dit Gros Cœur, c'est-à-dire faire le gros dos quoi. Tu vois, est-ce que tu pouvais te fâcher contre lui? Parce que tu savais que tu avais besoin de lui. Maintenant quand on te voit un peu à la télé, les gens crient un peu ton nom, c'est fini. Moi ça fait parler avec ton producteur. Est-ce que ça c'est normal? Là tu Hein? Non, c'est pas normal, mais après j'ai reconnu mon temps et tu as demandé pardon et tout ça. Pardon, je me suis mis à genoux et il a accepté, il a tout de suite accepté. Quand je t'ai dit, c'est un ange quoi, c'est un ange venu tout droit du ciel pour Rocky Colt. D'accord, super. Donc ça veut dire que le palabre est réglé avec la maison de prod et tout, c'est tranquille. Il n'y a plus, il n'y a pas des jours où il te rappelle ce que tu as fait. Quand il est fâché, est-ce qu'il même, était... même mais vraiment on avait perdu beaucoup de choses quoi. Tu vois, on avait perdu beaucoup de choses parce que il y avait tellement de contrats et tout qui étaient en vue, et à cause de mon Gros Cœur j'ai balayé, tu vois. Donc jusqu'aujourd'hui ça me fait très très mal. Je n'ai jamais parlé de ça dans des interviews, si ce n'est pas seulement dans cette interview. Mais c'est Fafa, c'est ça le dernier, c'est comme ça. Je passe sur toutes les choses, c'est ça. Tu fais rire aussi ici, pardon. C'est parce que je veux en parler. Voilà. Donc, juste pour dire à mes soeurs, à mes frères, que Gros Cœur. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ça ne mène nulle part. Tu te fâches. Quand tu veux te fâcher, tu te fâches. Après, tu te mets quelque part. Hein,
tu te calmes, tu diminues ta colère, tu te retournes. Et tu règles les choses règles de les façon. Choses à l'amiable. D'accord, d'accord. Alors, Ricky God, tu fais tout ça là. Hein? On parle de toi partout, ouais, tu cartonnes, les gens aiment ta musique et tout. Ouais, on connaît pas. Quoi? On connaît pas, on connaît qui. Hein, qui est-ce qui a pris ton cœur? On ne le connaît pas. Jamais le connaître. Pourquoi je ne veux pas qu'on le connaisse? C'est impossible. Qui est Showbiz, pardon? Même jusqu'au Nigeria. Quand tu rends public ta vie intime, ça c'est pas c'est ça ça n'a pas longue vie quoi. Oui, c'est ce que j'ai remarqué personnellement que quand tu es avec quelqu'un, vaut mieux le préserver. Est-ce que c'est pas un argument parce que on même à l'abri des ondes. Parce que les ont dit. Mais on connaît ça, on connaît. Non, je ne le présente pas. Lui, il aime se cacher, tout ça. C'est toujours. Pas moi qui aime c'est moi qui aime le cacher. Ma carte, c'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, tu vas lui montrer. Les gens, c'est là. Les gens ont commencé à faire des photos n'importe comment. Ah, on l'a vu dans tel hôtel. On l'a vu dans tel bar, accompagné du temps. Même bisous seulement. Ils vont mal interpréter. Donc, je ne veux pas. D'accord. Mais est-ce que Rocky Gold souffre. Souffre de ce dont les artistes, les chanteuses, les artistes féminines, elles souffrent de quelque chose qui est le harcèlement. C'est-à-dire que tout le monde, comme Rocky God passe à la télé, voilà, si je sortais Rocky God, il y en a qui considèrent ça comme un trophée, tu vois. Voilà. Est-ce que tu souffres de ça? Est-ce que les gens te harcèlent, on t'appelle à chaque fois? Est-ce que tu as les gens même qui te font des propositions indécentes? Non, ma petite, voilà 20 millions ici. Un coup seulement, voilà 20 millions. Mais attends, si on me dit voilà 20 millions ici, il y a t'invité. Tu es mon frère, là. Non, mais c'est... Tu as m'invité pour faire quoi? Regarde, il sait ce qu'il veut, puis il met les 20 millions. Qu'est-ce qu'il veut faire? On m'a jamais fait de proposition indécente. Moi, on m'a jamais fait de proposition indécente. Mais je sais que ça te drague à longueur de journée. Ça, je suis de ça. C'est normal. Mais est-ce que, parce que souvent aussi, le pointage, ça a son avantage. C'est-à-dire, tu ne forces pas pour avoir les unités, tu ne forces pas pour avoir le carburant, tu ne forces pas. Bah, le gars, il est fin, même s'il ne te demande pas, il te donne. Maintenant, si tu montes ton gars, tout le monde va dire, ah, celle-là, elle a son gars, puis bon, tu as pu avoir les petits privilèges. Eh, c'est pas pour ça, tu caches le monsieur. Bah, c'est ça, il faut dire la vérité. Ah, tu es grave. Hein? Non, ce n'est même pas à cause de ça. Même pas du tout. C'est quelqu'un à la base qui est timide et qui n'aime pas dans le showbiz. Tu vois. Donc, et qui n'est même pas ivoirien et tout, tu vois. Donc, il n'aime pas se faire montrer. Et les Nigériens aussi. Oui, c'est ça. Aïe, tu vas savoir. Ah, Rocky God va me tuer. Alors, Rocky, dis-moi, aujourd'hui, là, comment est-ce que tu définis la musique que tu fais? Parce que musicalement, tu sais faire plein de choses. Voilà, tu arrives à faire plusieurs styles musicaux et tout. Donc, comment est-ce que toi, tu t'es défini en tant qu'artiste? Déjà, à la base, ma musique, c'est de la variété. Tu vois, je fais un peu de tout. Quand tu écoutes, surtout le nouveau, là, vers la fin, il y a du style Naija dedans. Donc, je fais un peu de tout. Naija, un peu de coupé décalé et puis un peu d'R&B. Mélangé. Donc moi ma musique dans mes tests je fais que véhiculer des messages, tu vois, arranger les problèmes qu'il y a dans les couples, comme Kula Dansos, gros cœur de femme qui a beaucoup aidé les femmes aussi et tout. Il y a des hommes qui m'ont appelé pour me dire Rocky, vraiment ta musique a réuni ma famille. Ma femme aujourd'hui, elle s'est calmée. Elle est fatiguée, elle est revenue à la maison et tout. D'autres, même Rocky, ma femme est partie de la maison. Je lui fais écouter toujours. Voilà. Donc, moi, je véhicule, dans mes têtes, je véhicule des messages. Je suis genre, je ne sais pas comment me définir, mais bon. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Rocky, sur la scène musicale ici en Côte d'Ivoire, il y a aujourd'hui, Dieu merci, vous êtes beaucoup de femmes
qui cartonnaient. Tu vois, il y a Clay Bailly, il y a José, il y a Vital, il y a toi, il y a... Voilà, même si tu ne fais pas forcément du coupé décalé à 100%, mm-hmm. José aussi, c'est le cas, il ne fait pas du coupé décalé à 100%. Mm-hmm. Moi, je parle de façon globale. Mm-hmm. Alors, vous êtes beaucoup de filles actuellement qui font mal et tout. C'est vraiment très, très, très intéressant. Mais est-ce que toi, est-ce que tu as des rapports personnels avec ces dames qui font de la musique comme toi aussi? Est-ce que vous avez des rapports personnels? Est-ce que vous vous voyez plus souvent? Est-ce que vous vous côtoyez? Est-ce que vous êtes des amis? Non. Non, pas du tout, à part Clay Bailly. Clay Bailly, qui est très gentil. Celle-là, vraiment, toujours souriante, cette dame-là. À part Clay Bailly, la dernière fois aussi, j'ai rencontré Vital, qui m'a bien accueilli. Bon, à part les deux là, et Daisy aussi qui est dans l'écurie, par les trois là. Le reste, il n'y a pas vraiment d'affinité. Mais quand on se rencontre dans des prestations, je les salue, je les respecte. Et... D'accord, mais qu'est-ce que tu penses souvent de certains scandales qui arrivent dans. Quel scandale? Il y a des scandales qui arrivent, qui concernent souvent les artistes féminines de ce pays. Mm-hmm. Je sais que toi, je sais pas, en tout cas, moi, j'ai pas encore eu vent de ça, te concernant en fait. Mm-hmm. J'ai pas encore eu vent de cela, mais t'inquiète, je suis en train de chercher. Tu vas chercher longtemps. Donc, quand ça arrive comme ça, toi de ton côté, c'est vrai que tu juges pas, mais comment est-ce que tu perçois ça avec les internautes qui insultent, qui disent tout le temps des méchancetés et tout ça, toi dans ton coin, comment est-ce que tu perçois cela? Moi dans mon coin, moi je suis plutôt concentrée sur mon travail, tu vois. D'accord. Sur mon travail, je suis très très jeune, je veux accomplir de belles choses, tu vois, je suis pas... j'ai même pas le temps de regarder les trucs où on s'insulte, où il y a des scandales. Des fois, je suis même pas au courant de quelque chose, tu vois. Il y a la chargée de communication qui m'appelle, t'as pas entendu ce qui s'est passé. Donc ça va passer, c'est les buzz, ça passe, ça vient, ça passe. Donc moi, je suis concentrée sur ma petite musique. Et... Mon souhait, c'est de faire danser le monde entier, même la planète Mars. S'il le faut. Ah ouais. Je vais t'accompagner dans ce gombo-là. Quand tu es fatigué de rester ici, oui. Non, je suis fatigué. Je vais t'accompagner dans ce gombo-là. On va aller ensemble sur la planète Mars. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour dans l'émission Fafa avec la très belle, ravissante, charmante, pimpante, croquante, craquante, Rocky Gold. Alors Rocky, pourquoi Rocky Gold? Pourquoi Gold, Rocky Gold, pourquoi? Moi je vois que les cheveux, golden hair ce soir, à la chaîne, tout ça, mais pourquoi Rocky Gold? Je vais décortiquer. D'accord. Rocky, qui est Rocky Ato. D'accord, tu t'appelles Rocky Ato? Yeah. D'accord. Je suis musulmane. D'accord. Rocky qui est Rocky Ato, et le Gold qui est l'or. Parce que j'adore tout ce qui brille. Et c'est vrai, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais moi j'adore tout ce qui brille. J'aime le shine. Tout ce qui est clinquant. Quand tu sors là, on sait que Rocky est dans la place. Quoi. D'accord. Donc c'est ce qui a fait que tu as. Oui, mais au début, c'était pas du tout facile. Parce que quand on dit Rocky Gold, on dit il y a un homme là. Qui se nomme Rocky Gold. On dit non, c'est une femme. Ah, mais le Rocky là, ça fait Rocky Balboa. Donc, au début, les gens avaient du mal à savoir si c'est une fille, mais c'est un homme. Mais au fur et à mesure, tu vois. Quand la notoriété arrive, les choses aussi arrivent à côté. On adopte en même temps le nom, même si c'est Rocky Gold Piscine là-bas. Donc, les gens ils vont savoir. Bien sûr. Monsieur, alors, mais Rocky, quelle mouche t'a piqué? Tu allais parler de ton âge sur les réseaux sociaux. Moi, je sais pas. C'est pas moi. Tu te reprochais quoi? Qu'est-ce que tu te reprochais? C'est pas moi. Ce n'est pas moi, t'es. Je sais pas qui allait mettre mon âge là-bas. Mais en tout cas, ils m'ont lavé. Quoi? Mais toi, tu es courageux. Tu as lu les commentaires là? Commentaires. J'ai dit, mais attends, il a fait une autre pause encore. 4000 commentaires, j'ai dit, mais les gens ils ont du temps, hein. Vraiment, bon,
C'est juste parce que recule dans la c'est son âge. Mon âge, voilà. Donc tu n'es pas une Renée Caillé, en oui. Bas H dedans, tout ça. Non, rien mis même. Non, rien mis. Okay. Mais moi je te vois là en vrai, tu fais ton âge. Pourquoi les gens disent? Je comprends pas. Moi, dans les Photoshop, bon, ouais, pour Renée Caillé et tout. Sinon, en vrai, ouais, c'est mon âge. Ouais, en vrai, tu fais ton âge, franchement. Voilà. Mais tu veux que je me lève pour voir? Non, ça ah, va. Mais tu es télé, pourquoi on voit bien les... C'est bon. Là, toi, on voit bien les trucs. Ah, c'est beau. Hein? Pourquoi on voit les trucs? C'est important. Les trucs font que les gens... Parce que les gens t'aiment pas forcément pas ta voix. Les gens aiment ta voix, ta musique, tout ça. Mais tu n'as pas tant aussi. Donc, ça fait que tout ça, oui, il faut que les gens voient un peu. Parce qu'on a eu Doxy Yao ici qui s'est levé, qui a montré les trucs. Donc, il faut que tu montres les trucs. C'est important. D'accord. Non, pour moi, c'est pas comme... Pardon. Moi, je fais mon petit modèle, là. Alors, dis-moi, Rocky Gold, la chanson que tu viens de sortir, là, voilà, c'est quoi le titre déjà? On est dedans. Tu parles de quoi concrètement dans la chanson? On est dans quoi? On est dans un championnat avec mon homme. Là, je m'adresse à mon homme. D'accord. Celui que tu ne veux pas nous montrer là, c'est ça, non? Non, je m'adresse à un homme. Ah, d'accord. Donc, dans ce titre-là, tu as tué. Dans ce titre-là, je veux, à travers ce titre, je veux dire aux hommes que si une femme, dans une relation, si une femme se tait, c'est par amour, par respect pour son foyer. Donc, la femme qui est mature, accepte tout et tape l'œil. Même quand ça ne va pas, elle est là avec ses enfants, elle gère. Mais les hommes qui ne changent jamais, qui sont là à inventer des missions, réunions, chérie, il y a même le chat de mon ami qui est mort, on doit l'enterrer. C'est trop. Ça suffit. C'est pas parce qu'on accepte tout que tu vas faire ce que tu veux. Non, c'est pas bien. Donc à travers ce titre, je veux dire aux hommes que même si je vais où, tu vas aller me trouver ici. On est au couille, on est dedans. Je vais pas abandonner le foyer aussi. C'est ça. Donc, fini tout ça. Tu viens me trouver, on est dedans. On est au couille. D'accord. Et comment est-ce que le titre a été accueilli par les mélomanes? Bon, déjà, avec le clip qui est sorti, c'est des commentaires positifs. Tous mes fans ont accepté, ont aimé surtout le clip. Et vraiment, 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 c'est positif. Et bon, il reste beaucoup à venir. D'accord. Mais est-ce que tu peux nous fredonner un peu? Est-ce que tu peux faire un petit truc? Tu peux faire un petit truc pour qu'on sache, parce que hein, c'est vrai qu'il garde quand même. Très bien. Je veux qu'il sache. Ouais, c'est ça, mais faut fredonner un peu le nouveau titre. Tu dis tout le temps que tu as occupé, laisse-la travailler. Tu me dis de ne pas m'inquiéter, par amour pour toi, bébé. Je le sens quand tu me parles. Tu me rassures quand je pense à tes actes. Je ne suis pas en peur de toi, je doute. Je suis fatiguée, toujours me questionner. À cause de toi, ma vie entière basculée. Je suis fatiguée, toujours me questionner. Dis la vérité, Joe, on va quitter ici. Pingou, pingou. Pingou, pingou, c'est quoi? C'est le beat qui vient après. Super. Mais tu as commencé à lever le ton, dès que tu as commencé à ressentir les choses, tu es crié en même temps, tu es diafoule. On comprend pas. Mais c'est super. Mais attends, je sais pas, tu te poses tout le temps des questions. Est-ce que tu as besoin de te poser tout le temps des questions? Tu n'as pas besoin de tout le temps te poser des questions. Toi, tu connais ta chose, tu sais que comment au c'est début, ça. Au début, il n'était pas comme ça. Tu vois, il y a des hommes là. Mais si au début, là, le gars il est comme ça, est-ce que tu vas accepter de vivre dans sa maison? C'est ça le truc. C'est vrai aussi. C'est ça. C'est la femme, il faut la. Tu vois, c'est la femme, c'est. Il faut bien, tu vois, il y a les erreurs, il faut bien t'en occuper, c'est important. Il faut la rassurer pour qu'elle franchisse le pas pour rentrer dans ta maison, c'est ça. Mais c'est pas bien. C'est ça. Non, mais c'est pas comme si je la blague, il faut donner la valeur. Mais, en fait. Mais il faut continuer à être comme ça, être l'homme idéal, le père idéal, tu vois.
Les hommes. Les hommes, il y a quoi? On souffle. On souffle, tu fais où? On dit, tu fais pas, on dit, tu fais. Tu fais où, tu as problème? Tu as tout à la maison. Mais tu n'es pas satisfait. Tu cherches quoi dehors? Non, mais l'être humain est comme ça, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, c'est pareil. Vois, l'être humain n'est pas satisfait, c'est comme ça. Les hommes qui sont sérieux là, tu 100% deux pour cent des hommes qui sont sérieux, le reste là, Dieu, la chauve-souris. Mais sérieux là, c'est sûr, c'est sûr. Mais les hommes sérieux, c'est sûr. C'est sûr quoi? C'est sur une période. C'est impossible. Le mec peut être sérieux sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, mais la chair est faible, il paraît. Non. Hein? La chair est faible. La chair faible, c'est ça, la tentation. Je dis, aujourd'hui, il y a des femmes au foyer qui sont prêtes à tout pour garder les hommes. Tu vois. Il y a des femmes même qui vont apprendre des trucs. Tu vois ce que je veux dire. Mais malgré ça, je ne sais pas ce que l'homme cherche. D'ailleurs, je ne sais pas du tout. Si c'est... je préfère y parler. Alors, Ricky Gouel, en tout cas, merci d'avoir accepté de passer à l'émission. Merci à vous. Merci d'avoir accepté de passer à l'émission Fafa et tout. L'émission tire à sa fin. Voilà. Malheureusement pour moi, je voulais rentrer dans tes côtes, mais je n'ai pas les dogs. Je cherche les dogs. Bon, Ricky, mais ça, c'est pas clair. Tu vois, tu sais, les gens qui se jouent trop les clean, là, c'est eux-mêmes qui ont fini les faux trucs. Non, là, je t'arrête. Oui, c'est mieux. Non, là, je t'arrête. Là, je t'arrête. Pourquoi je t'arrête? Je suis clean et sainte. Sainte. Yeah. Ça reste à voir. Un peu. Tu te rappelles pas. Alors, c'est super, Rocky. Alors, Rocky, la caméra est là. Il faut que tu donnes ton mot de fin et puis on va boucler. Merci beaucoup à toi. Et merci à Ivoire TV Music de m'avoir invité. Et suivez cette émission parce que c'est le best. Et ça sera le best. Je donne 5 mois. Dans 5 mois, ça sera l'émission, la télévision la plus suivie partout dans le monde. Inch'Allah. 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 Alléluia. Merci là-bas. Mesdames et messieurs, nous étions avec la belle, ravissante, croquante, craquante, choquante, pimpante, sulfureuse. Ah, j'ai même des frissons. Hein. Rocky Gold, qui était avec nous à l'émission Fafa. Voilà, on a parlé un peu de sa carrière, on a parlé de tout ce qu'il fallait parler. Bon, j'ai cherché les docs, je n'ai pas eu, mais c'est pas bien grave. Si elle trouve, on va refaire encore une autre émission. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous aviez celui qu'on appelle William Santiago à la caméra, à la supervision Soko Soko. Roland Le Benguis qui réalise cette émission et votre humble serviteur, Ramzi, le Daéré, pour vous faire plaisir toujours. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Fafa, c'est toujours comme ça. On est ensemble.